Bonjour. 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 Vous êtes les Bonjour. bienvenus. Et alors, je vous donne la bienvenue aux ateliers et au club de conversation aussi du CAM, Médiathèque de l'ENES Morelia UNAM. Moi, c'est Gisèle, je suis aujourd'hui votre animatrice ou votre professeur avec l'atelier Comment raconter une histoire dans une BD. En fait, c'est la suite, la continuation de ce qu'on a déjà commencé la semaine dernière. Et même si vous n'avez pas été la semaine dernière, ce n'est pas grave, parce que ce sont des sujets assez faciles à comprendre. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lire quelques explications et après, on va faire un exercice, on va travailler en équipe et finalement, on va partager nos commentaires. OK. La semaine dernière, de quoi on a parlé? Quelqu'un qui veut participer, qu'est-ce qu'on a présenté? De quoi est-ce qu'on a parlé la semaine On dernière? a parlé de basique de on a parlé de basique de la bande dessinée et Oui. la conformation d'une bande dessinée. Tout à fait. Est-ce que tu te rappelles de quelques éléments? La vignette Oui, la case, la vignette. oui, mais c'est le seul que je me rappelle, pardon. C'est pas grave. Alors, d'autres personnes qui vous rappellent d'autres termes? C'était la vignette, la case. Allez, va le dire. Ça pourrait être les bulles. Oui, le bulle, le phylactère, que c'était l'espace pour le narrateur. Le numéro de viñedos, sí, pardon. Ouais, exactement, les numéros des planches. Et la bande, non, ça veut dire le strip. Et on a donné une définition pour la BD. On disait que c'est un art séquentiel. Il y a une séquence d'images avec des mots qui vont raconter une histoire. C'est ça le principe de la bande dessinée. Oui. Et aujourd'hui, on a parlé aussi des différents types de transitions et d'action à action, de moment à moment, de sujet à sujet, etc. Aujourd'hui, on va parler de plan. Qu'est-ce que c'est un plan? On va expliquer et on fera un exercice. Ben bien mi pantalla. Oui. Parfait. Attendez. Parfait. Ángel Torres. Oui, je suis là. Oui, bonjour. Tu peux Bonjour. lire, qu'est-ce que c'est le plan? Ah, oui, bien sûr. Ok. C'est la quantité d'espace qui recueille l'image. Ils ont un impact dans le récit, l'art de raconter. D'accord. Donc, les plans sont los planos. On utilise ce mot pour le cinéma, mais aussi pour la bande dessinée. Et les plans, en général, c'est la quantité d'espace qu'on va avoir dans l'image ou dans une photo. Oui, et vous allez voir que ça sert aussi à raconter. Si j'ai choisi tous les décors, tous les contextes, c'est parce que j'ai envie de montrer où ça se passe l'histoire. Après, si je m'approche, approcher, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est approcher? Acercarse. S'approcher.
acercarse. Exactement. Si je m'approche pour prendre seulement une partie, ça veut dire la tête ou simplement la moitié du corps, c'est avec une autre intention. Donc, on va voir les différents types de plans. On commence. Avec Fatima, tu es là? Oui. Allez-y. Est-ce que tu peux lire le premier plan de situation? Oui, plan de situation. C'est un plan descriptif de lieu. On l'utilise en général pour situer le contexte de la scène. Oui, donc écrivez, s'il vous plaît, tomen sus notas, plan de situation, le caractère et la description. Et c'est plutôt la description del lieu. Qu'est-ce que c'est lieu? Fatima. Lugar. Très bien. Donc, de lugar, ¿sí? Et en général, ici on lit qu'on l'utilise pour situer le contexte de la scène. Muchas veces, una página abre con un plano de situación o también se conoce como plano general. ¿Por qué? Porque eso va a me permitir de me situer. ¿U on est? Aquí vemos. Va, on est. Alors, donnez-moi une autre personne. Gaby Ramírez. Oui, bonjour. Si tu vois cette image, comment tu pourrais décrire les lieux? C'est le contexte de la place et je pense que c'est au Belgique. Pour oui. L'architecture, c'est Belgique aussi. Et tu me dis qu'il y a beaucoup de gens, que c'est un espace public, c'est un espace très grand. Et on peut connaître l'environnement. Il y a beaucoup de personnes, de familles, des amis. C'est que les gens sont allés pour s'amuser. Parce que, et quand on dit ça, la fortune, la roue de la fortune, comment ça s'appelle? Ah, je ne sais pas, on va chercher. Je ne sais pas comment dire la rueda. Oui, et aussi la photographie, c'est la même chose, mais on les connaît comme le plan général. D'accord. Le shot en anglais. Ok, merci. On va passer maintenant. Souci, tu es là? Oui. Alors, Souci, quelles impressions tu imagines de que l'or quelles sont les impressions ou d'autres détails que tu pourrais dire à partir de cette image? Je crois que c'est la soirée de la ville. Bon, parce que c'est noir l'image. Oui, c'est le soir. Je ne sais pas quelle autre chose. C'est un jour calme ou agité? Agité parce qu'il y a, du monde. Oui, on voit des voitures, on voit beaucoup de monde. Et oui, ça pourrait être très bien le soir ou... ou à midi ou l'après-midi, ça veut dire un moment où il y a le mouvement. Ouais. Oui, parfait. Oui, c'est ça. Donc, si vous voyez, ça nous a déjà mis dans un contexte. Maintenant, on va parler d'un autre type de plan. On va passer au plan moyen. Et on va faire participer notre Paola Bolívar. Bonjour. Est-ce que tu nous lis la description? Oui. Nous avons rencontré deux chasseurs à cheval envoyés en reconnaissance. Les Allemands n'étaient plus loin, seulement à quelques kilomètres. Ah oui, oui, oui. Mais en bas, on dit la description du plan moyen? Ah oui. Le plan moyen, il cadre les personnages de pied à la tête. Ok. Et écrivez plan moyen. Moyen, pourquoi? Parce que on regarde les personnages et aussi des détails de l'espace. Oui. Et cadré. Qu'est-ce que c'est cadré?
Paola, ¿cómo tú podrías hacer la traducción de cadre? Cuadro, como un cuadro de personajes. Exactement, oui, oui, oui. De los pies a la cabeza. Exactement. ¿Tú viens d'où, Paola? ¿Qué le tenor? ¿Paola? ¿Tú es là? Oui, oui, oui. Oui. Parce que tu as un accent. Ah, tu es de... oui. Sí, colombienne. D'accord, bienvenue. Laisse ton micro, parce que comme ça, je te poserai d'autres questions. Cadré, entonces, es esto de pues, sí, encuadrar o... Il y a d'autres termes, ¿no? En español. El... ¿Cómo es que un dijo? Un mural. Encuadrar. Enmarcar. O enmarcar, oui, va en la fotografía, sí, ¿no? Como... Encuadre, en español. El encuadre, merci. C'est ça. El encuadre, ¿verdad, Gaby? Oui, c'est ça. Okay. El encuadre, sí, sería le fait de cadrer o... Oui. C'est ça le plan moyen. Donc, ici, on voit des détails de personnages, mais aussi du lieu. Donc, Paola Bolívar, est-ce que tu peux décrire un peu les personnages et l'espace où ils sont? Oui, je crois que dans la montagne ou dans les forêts, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de soldats, de chevaux. Je pense qu'ils sont organisés en bataille ou participeront dans une bataille, je crois. Parfait. Oui, oui, oui. Donc ici, on reconnaît très facilement des soldats et des soldats dans la campagne, comme tu viens de mentionner. Oui, tu as bien décrit la situation. On va passer à un autre type de plan. Maintenant, on va parler des plans rapprochés. Si? Et... Alors, on va... Julieta Núñez, ¿tú es là? ¿O Jorge Alberto Canul? Ah, no, no. ¿Diana Rosales? Hola. Es que ya no, no tengo muchos conocimientos de francés, entonces no puedo leer. Ah, t'inquiète pas. Ok, merci. Vamos entonces a... Marilyn? Oui. Allez-y. Je dois lire, ok? Oui, allez-y. Les plans rapprochés, les cadres des personnages de prévu à sentir. Leur émotion. D'accord, très bien. Je sais. Oui, oui, attends-moi un petit peu et je vais te poser. Je dois lire les conversations. Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Je sais. Alors. C'est bon. Et donne-moi un petit second pour expliquer un peu plus. Alors, le plan rapproché, comme Marilyn vient de lire, c'est de près. Marilyn, qu'est-ce que c'est de près? Il cadre le personnage de près. C'est la conversation? Non, de près, c'est... Quelqu'un sait? Cerca. Cerca, ¿sale? Et l'encuadre est de cerca. Eso es la distinción de tous les plans rapprochés. Et quel est l'objectif? Bon... accentuer leurs émotions ou les émotions. Et pourquoi? Parce que là, on peut, par exemple, alors, toi-même, Marilyn, ici, oui. Dans cette image où il y a le garçon et la fille qui se regardent, qu'est-ce que tu vois? Quelles émotions tu peux percevoir? Ils sont en train de parler. Ils sont, pardon? Heureusement. Heureuse. Ils... Heureuse.
Oui. D'autres choses à dire? Il dit merci. Je ne sais pas comment ça dire. Je ne me raconte pas comment ça dire agradecidos. Il remercie. Il remercie. À la fille? Oui. D'accord. Oui, 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 on voit ça, non? On voit un regard de ce que Marilyn dit. Bon, on voit un regard qui remercie, un regard gentil, en tout cas. Et Augusto, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire de cette image où il y a la femme avec une lettre? J'imagine que la femme est triste et concernée sur la lettre qu'elle lit, pardon. Et j'imagine que c'est une lettre de mauvaise nouvelle, non? Et elle se sent, ou il, je ne sais pas si c'est femme ou un homme. Je crois que c'est un homme. C'est une femme? Oui, c'est une femme. Ah, ok, ok. Bon, elle est triste, elle est mélancolique. Tout l'environnement est un petit peu obscur, non? Et c'est une émotion de tristesse, surtout. Merci, parfait. Bon, si vous voyez, Augusto a mentionné deux détails, bon, plusieurs détails, mais le détail de la lettre, ça veut dire l'image, de manière naturelle, nous fait faire attention à elle, à la femme, plutôt qu'à la porte, par exemple, et à la lettre. Et nous, de manière naturelle, on fait une connexion. Sin tener que leer un diálogo, on peut déjà apercevoir tout ce que Augusto vient de dire. Tristesse, quelque chose qui ça va pas, non, etc. Parfait, merci Augusto. Alors, Adriana Maro? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire, d'après toi, quelle est l'intention de mettre ces plans rapprochés? C'est parce que cette femme veut se rapprocher à ce garçon, je crois. Pardon. Mais c'est ici, dans la première image, avec les dialogues, je sais. C'est le garçon. Ah, oui. Alors, le garçon, boum. Je ne sais pas. Je ne reconnais pas les intentions du garçon. Mais de toute façon, ici, on voit quelqu'un... il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose à propos de cette image. Ici, où il dit « je sais », la première image. Peut-être pour remarquer ce qu'ils disent les personnages. Oui. Et aussi, oui, c'est bien. On voit simplement lui, on reconnaît un personnage et on voit un peu son caractère, non? Qu'il est jeune, et peut-être qu'il vient de l'école parce qu'il porte un sac. Et on reconnaît le style aussi du personnage. Oui, parce qu'on voit les vêtements qu'il porte, etc. Donc, quand on prend de las rodillas à la cabeza, quelqu'un sait comment s'appelle ce type de plan? Oui. Allez-y, Gaby. Les plans américains. Oui, merci. On l'écrit dans le chat. Le plan américain. Ça veut dire, de manera general, podemos hablar de plans rapprochés, planos cercanos, ¿no? Mais dentro de plan rapproché, también hay nombres. Le plan américain viene del western, ¿no? Que tomaban a los vaqueros. Oui, c'est ça. Las espuelas de... Uh-huh. No las espuelas, las... ¿Cómo se dice donde se portan las pistolas? Bueno, parce que il y a du... je ne me souviens. Comment dit, rodilla? Rodilla, genou. C'est au-dessous de la genou ou c'est à l'autre partie. Uh-huh. La pantorrilla. Sí. Il y a les deux options et les deux sont correctes. D'accord, ok. Donc,
Vous pouvez associer les images du western, no, de vaqueros, qui c'est de là qu'on a inventé ce terme du plan américain, ¿sí? Que va de las rodillas, o de las pantorrillas que nos decía Gaby, a la cabeza. Quand on fait attention, pas un personnage, par exemple, si on prenait seulement l'image de la lettre, on dit un plan de détail. Aquí lo voy a poner. Plano de detalle. Le plan de détail. Cuando hay un elemento, quand il y a un élément qui est important de montrer dans l'histoire, on dit ça, le plan de détail. Attendez, je vais écrire les autres. Quand je vois que la tête, cuando me acerco a las cabezas, digamos nada más que para ver las impresiones, on dit le très gros plan. Je vais vous passer une feuille après avec la description. Mais de toute façon, c'est bien important que vous l'écrivez dans votre cahier. Alors, quand on fait del pecho, ¿sí? Como un poco los, pues los bustos, ¿no? En la escultura, pueden asociarlo con eso. Quand je fais del pecho hacia arriba, on dit le plan poitrine. Qu'est-ce que c'est poitrine? Pecho. Bueno, pecho. Pecho, ¿no? Entonces de ahí viene le Hola. Plan poitrine. J'ai une question. Ah, oui, bon. Allez-y. Le très gros plan sera comme le close-up en anglais? Oui, 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 oui. Oui, c'est ça. Et aussi, on le connaît comme le portrait. Parce que c'est ce qui s'utilise pour les documents officiels. Mm-hmm. Et tu connais aussi en photographie. D'accord. Merci. Okay. Et bon, je vais écrire ici parce qu'en fait, il y a une petite différence. Très gros plan, comme très gros plan, c'est plutôt pour un élément que non c'est un personnage, c'est más bien un élément, une pluma, une pistola. Una mesa, o sea, son los objetos, sería le très gros plan. Y le gros plan sería para las caras, nada más. Maintenant qu'on sait qu'il y a différents types de plans, évidemment, quand on raconte une histoire en image, c'est bien important de varier et pas avoir toutes les images avec le même type de plan parce que sinon c'est ennuyant, non? Oui. C'est pour ça qu'on apprécie ce rythme que des fois, même dans le cinéma, quand on regarde un film, on n'est pas très conscient de toute cette variation. Mais cette variation, c'est ce qui permet, d'une certaine manière, de simuler la réalité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, non siempre vamos viendo en plano général, ¿no? De pronto hay algo que nos llama la atención y entonces, on fait un très gros plan con nuestra mirada. Nous, comme être humain, on le fait de manière naturelle. Mais une personne qui veut dessiner pour raconter ce qu'il voit ou pour raconter une histoire, il faut faire attention à tout, à toutes ces variations. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Merci. D'accord. Donc, on va faire un premier exercice. Ah bon, ici, je mets les très gros plans, no? Par exemple. Alors, une personne, Adriana de la Cruz, tu es là? Oui, je suis là. Alors, si tu vois ça, cette image, qu'est-ce que tu imagines, Adriana? J'imagine une scène de deux personnes qui sont amoureuses, peut-être, mais c'est une scène douloureuse.
pas romantique. D'accord. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait penser à des amoureux? Peut-être les demandes, mais je le viens de voir meilleur. Oui. Je crois que c'est une seule personne parce qu'il y a deux jambes. Oui. Et deux mains. Oui, c'est ça. D'accord. Ok, merci. Quelqu'un d'autre personne veut dire d'autres détails qui vous fait penser? Peut-être que ce sont personnes qui vous souhaitent ouvert parce que la phrase dit « j'aurais quitté ce monde », alors c'est comme s'il voulait mourir, quelque chose comme ça, ou va mourir. Ouais, ok, merci. Alors, Adrien vient de dire quelque chose d'important. Évidemment, les images racontent beaucoup, mais les mots vont compléter ou vont préciser beaucoup plus de l'histoire. C'est pour ça que la combinaison des mots et d'images fait une vraie histoire. Il y a des BD qui sont muets, qui racontent seulement à partir d'images. Mais évidemment, les mots sont super importants. Et avec ça, avec les mots ou avec les dialogues ou les scénarios, on se fait déjà une idée plus précise. Et comment ça se dit anillo en français? Bah. Oui. Fatima, une bague, quelle représentation a dans ce cas la bague? Peut-être qu'ils sont engagés. Oui. Alors, ça m'a fait penser à un couple, non? Oui. Un engagement amoureux. Donc, et vous voyez comme certains détails donnent beaucoup d'informations? Ok. Et on va faire cet exercice. Ça, c'est un roman graphique qui s'appelle Mouse. Et c'est un roman graphique que je vous conseille beaucoup, beaucoup. Quelqu'un connaît cette BD? Je le connais, c'est l'histoire d'un homme qui a été dans les champs de nazis. Oui. Bon, c'est son fils qui raconte l'histoire de son père. Tout à fait. On parle de la Deuxième Guerre mondiale. Et Jésus, est-ce que tu peux donner, quel est le titre de cette BD? Tu t'en rappelles? Mouse. Oui, Mouse. Et est-ce que tu peux parler un peu plus, si tu veux, de cette BD? Oui, ouais. En général, c'est l'histoire d'un le fils de cet homme raconte l'histoire de son père, qui a vécu toute la guerre, et il était dans un champ de concentration. On dit champ de concentration, oui, ou oui. Comment on peut dire? Oui, 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 on dit comme ça. C'est un peu différent parce que les personnages, les Juifs, oui, sont des souris, et les Allemands sont des chats. Exactement. Oui, ça fait l'histoire moins dure parce que c'est une thématique difficile. Et le fait d'avoir des personnages en animaux, c'est moins difficile au niveau personnel de lire l'histoire parce que c'est une histoire basée sur un cas réel d'un survivant de la Deuxième Guerre mondiale, comme Jésus vient d'expliquer. Parfait, merci beaucoup. Alors, à la fin, je vous dirai, moi, j'ai une bibliothèque de BD et j'ai fait des scanners et petit à petit, j'ai commencé à faire la collection en digital pour pouvoir partager avec vous. Et donc, si quelqu'un s'intéresse, et après, on pourrait se mettre d'accord pour vous passer la BD. Et, d'accord. Mais sinon, c'est une BD que vous pouvez trouver. Il a été traduit en plusieurs langues parce que c'est une BD américaine, en fait.
Et voilà. Bon. Maintenant, regardez, s'il vous plaît, les différents types de plans et mettrez, écrivez à côté quel type de plan vous identifiez. Je vous laisse par mail, digo par mail, par le chat, la... Attendez. Un PDF qui a como le résumé des types de plans, comme ça vous pouvez consulter au cas où. Ça y est, je l'ai laissé par le chat. Je vous donne 5 minutes pour travailler. Souci, qu'est-ce que tu veux? C'est dans le... Susi, sí, dice, levantó la mano. Sí. No, 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 yo fui a pasar. Ah, oui, oh, désolé. Tranquilo. Pardon, Giselle. Oui. Oui. C'est quoi l'exercice seulement? C'est lire les PDF non, que tu. C'est identifier le type de plan. Ah, ok. Ok, je comprends. À propos, j'ai la version à l'espagnol ici. Super. Je l'ai acheté comme. Je pense que 5 ou 7 cette année avant, après. Oui, oui. Où tu l'achetais? Ah, pardon. J'imagine, je me souviens que je l'ai acheté dans une foire de livres. D'accord. Oui, parce que c'est l'éditeur c'est, j'imagine que c'est Grijalbo. D'accord. Mais cet éditeur, c'est un éditeur argentin, MS Editores. Mais tu peux le. Oui, tu peux les trouver dans les... Oui, MSC. D'accord. Oui, mais je crois que tu peux les trouver dans les librairies, dans l'éditeur Random House ou Grijalbo. À l'espagnol, évidemment, oui. Parfait. Tu as lu les deux tomes? Ça veut dire que c'est l'intégral? Oui, j'ai l'autre tome aussi. Oui, ça, ouais, c'est une très bonne histoire. J'ai adoré la vie de Vladek. Mm-hmm. Oui, 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 c'est très intéressant. Excusez-moi, j'ai une question. Allez-y. Et c'est quelle la différence des les plats de détail et les très gros plats? Ok, les très gros plats, on a dit que c'est los de détails. Los detalles de alimentos, como una carta, por ejemplo, aquí, que vemos en los brazos con el número, ya sería un très gros plan. Y el gros, solito, sin el tres, solo gros plan, es el acercamiento de carta. Ah, d'accord. ¿El plan de detalle? Ah, el plan de detalle es un sinónimo del très gros plan. Ah, d'accord. Alors, c'est la même chose. Oui, tout à fait. D'accord, merci.
Okay, Arisbeth, Chuela. No, Brandy, Rubalcaba. Oui. Ok, Brandy, tu peux nous dire les deux premiers types de plans? Vamos de arriba hacia abajo. A gauche, quel type de plan c'est? Des lectures, j'ai les leurs, et après dîner. Non, 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 non. Tu nous dis les types de plans. Le type de plan. Les que je pense avec les matchs et tout. Exactement. Je pense que le premier de droite, c'est comme le moment en que tu t'es rencontré avec tes amis, la première fois le matin. Ouais. Et nous, tu es le. Comment on dit le. En la troisième maison, et ton ami est arrivé. Pour comme une surprise. D'accord, ok. Et à droite? Est-ce que c'est la première image et après les autres images, c'est le bienvenu pour les amis de oh oui, tu veux un café ou quelque chose, tu visas quelque chose? D'accord. Avant, je pense que c'est l'image. Ok, merci, merci bien. Et alors, pour préciser, c'est la première vignette. Bah, c'est un plan américain. On voit les personnages cadrés, de genoux à la tête. Después, ya están los diálogos. Et la deuxième vignette, à droite, où il est en train de monter le vélo. Et moi, je dirais que c'est un plan moyen. Pourquoi? Parce que je vois le personnage et en même temps, j'ai la possibilité de voir qu'il est à la maison ou à l'intérieur d'une maison. Et merci. Alors, alguien que no haya participado, que quiera comentar los siguientes dos viñetas. Moi, prof, madame. Allez, je crois. Quels sont les très gros plans? Oui. Si? Alors, c'est les gros plans. Gros. En lugar de très gros, gros plans. Les gros plans. Mm-hmm. Et bien, parce que c'est seulement la face, la carte. Oui, la tête. Mm-hmm. La tête. Ah, oui. Je m'excuse. La tête, c'est seulement la tête, je pense. Mais je suis, je doute parce que je pense que les chaussures dans la. Je pense que tiens. Oui. Et vignette. Oui. La. Ah, où il y a les pieds? Peut-être la. Je ne sais si vous m'écoutez. Oui, oui, seulement un peu coupé, mais ça va, Marilyn. Alors, oui, effectivement, ici on a des gros plans, la vignette 3 et 4. Et en même temps, on a, si vous voyez, comme cette perspective d'un personnage de près et un personnage en arrière. Qui a le plan poitrine. Mm-hmm. Donc, on voit gros et plan poitrine. Gaby Ramirez, après, est-ce que tu peux nous parler de la vignette numéro 5? Oui, bien sûr, c'est un gros plan. Uh-huh. Un très, très gros plan. Ouais, c'est facile. Et aussi de la dernière, de la troisième et la quatrième. Et je ne sais pas comment le traduire. Mais c'est aussi parce qu'il y a un rat que je peux dire que c'est comme des couleurs grises. Mm-hmm. Et parce que l'autre c'est blanche. Et de la première, il y a un autre nom. Je connais seulement le nom en espagnol et en anglais. Et en espagnol, c'est sobre el hombro, over shoulder. Mm-hmm. Et ça, c'est autre plan. Et c'est pour ça que je pense que c'est comme en combinaison.
D'accord. Que c'est le point poitrine parce que la rate que c'est blanche, on la regarde de cette manière. Et oui. L'autre, c'est grosse. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Qui est à la fin? Diana Rosales, tu es là? ¿O José Luis de la Vega? Oui. Allez-y. José Luis, ce dernier, le dernier qui est un cercle, quel type de plan on a? Je crois que c'est un très gros plan. Américain. Ajá. Oui, oui, oui. Mais en ce cas, o es plan américain o es très gros plan. Ça veut dire, todos los planos cercanos, on a dit qu'on peut les mencionner como plan rapproché, mais dans ce cas, ça serait le deuxième que tu as dit, le plan américain. Pourquoi? Pourquoi, José Luis? Parce que il montre des jambes en de la tête. Mm-hmm. Et en plan, je sais pas. Non, ça va. On voit les personnages des genoux à la tête. C'est ça le plan américain. Donc, si vous voyez, pareil, dans une planche, ici, on commence avec une histoire qui a des variations et qui en même temps fait comme une composition esthétique, non? Pour moi, en même temps, toutes les images font en même temps une composition. C'est pour ça que c'est assez intéressant de connaître et d'apprécier la différence ou les différents types de plans. OK, merci beaucoup. Alors, l'explication des plans, on va la laisser ici. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Chacun de manière individuelle. Attendez. Je vais vous passer cette image où il y a deux planches. La clase pasada decíamos que hay una diferencia entre filactère et bulle. Los anoto en el chat para que reconozcan las palabras. La bulle es el espacio para los personajes y le filactère pour le narrateur. Si vous voyez ici, ¿qui parle? Si vemos esta imagen, ¿qui parle? Le narrateur. Solement le narrateur. Donc, imaginez une petite histoire ou le début d'une petite histoire et mettez le scénario ou mettez votre voix de narratrice ou de narrateur pour ces deux planches. Alors, je vous laisse. Attendez, on est là. Oui, je vous laisse 7 minutes pour écrire et après, en équipe, on va partager l'histoire que chacun a fait. Sale? Les paso por aquí en caso de que quieran tenerlo. Mais c'est à vous maintenant d'écrire, soit dans votre cahier, soit dans un document Word. Sería mejor si lo escribieran en un documento Word, así después pueden compartir su pantalla para que cuando lean, las personas puedan ver también lo que escriben, ¿no?
Ok. Antes de empezar a hacer los equipos y que compartan lo que cada uno escribió o su pequeña historia, voy a pasarles la lista de asistencia. Es importante para mí que se registren, por favor. O sea, es decir, que una cosa es el registro que hacen y otra es la lista de asistencia, que es la que acabo de poner en el chat. Porque es la forma en que nosotros hacemos el reporte, bueno, la coordinación hace un reporte de los asistentes en cada una de nuestras actividades. Y pues luego veo que no todos se registran. Entonces, yo les agradezco, estas actividades son gratuitas. Y pues bueno, lo único que les pedimos es un reconocimiento a nuestro trabajo, pues llenándolo, ¿no? Toma menos de un minuto, ya está ahí el enlace. Si alguien no lo puede abrir, les agradecería que me escriban después del taller a este correo, que es a mi correo, para mandárselos por correo. En todo caso, pues ahí puse mi correo también. ¿Se finí? Oui, ça y est. Parfait. Ok, bon, maintenant, il reste 8 minutes. Je vais faire des équipes de 4 personnes et chacun des participants de l'équipe va lire l'histoire qu'il a fait pour ces deux planches. Si pueden prender su cámara, sería bueno para que pues, sea más personal el contacto entre ustedes. Entonces, van a recibir un anuncio que dice entrar a la ¿cuándo son 22? Entre 4. Y si llegan a terminar antes, pues regresan a la sala solitos, a la sala principal. Se llega. ¿Qué chispas, Fernando?
¿Se finit, Adrien? Ah, je dois partir maintenant. D'accord. Okay. Au revoir, merci. Adrien, je vais vous passer dos capítulos de esta novela. Ajá. Si quieres, mándame un correo para enviártela o te la dejo de una vez por el chat si la quieres descargar. Sí, si quieren dejármela una vez por el chat. Ok, a ver, aquí está. Se llama El Azul. Bueno, Le Bleu est une couleur chaude. C'est une très belle histoire. Ahí vas a estar juntando. Y están los dos primeros capítulos, en caso, CZBD. Ok. Si lees los dos capítulos y te interesa, tu me dices, je peux scanner le reste. Ok. Gracias. Au revoir. Ah, no, ahí va. Ajá. Ya casi se completa. ¿Sí alcanzaron a escuchar las otras historias? Sí. Gracias. Sí. Listo, a mí ya me parece que ya está ahí en el chat el PDF. Sí, ya lo estoy descargando. De acuerdo. Ça va, vous avez... Attendez. Est-ce que vous avez fini? Oui. Oui, vous avez écouté les histoires de chacun. Pas chacun a imaginé des possibilités différentes, non? Ok. Cette BD
ou cet extrait que vous avez travaillé s'appelle « Les bleus » est une couleur chaude. C'est un roman graphique très… C'est une histoire d'amour dramatique, mais c'est très joli. Alors, à las personas que acaban de regresar, ¿les sale en el chat el PDF « Les bleus » est une couleur chaude? No. ¿No? Donc, vamos a esperar a que regresen todos para que lo puedan ver. Ok, bon, j'espère que vous avez bien travaillé. Et cet extrait que vous avez lu ou que vous avez écrit un petit peu de l'histoire, ça vient d'une histoire qui s'appelle « Les bleus » est une couleur chaude. Et je vous conseille de la lire. Je vais vous passer les deux premiers chapitres. Commencez à lire. Si vous dites « Ah, c'est une belle histoire, je veux continuer », vous m'écrivez. Ya está ahí mi correo, ya, bueno. Y moi, je peux scanner les otros chapitres, sin problema. Se los voy a dejar por aquí, el PDF, así pueden leer los dos primeros capítulos y comparar con lo que ustedes escribieron. Lo de las dos, les deux planches, es el inicio de la historia. Y, bueno, los materiales que vimos hoy, se los comparto igual con un enlace, una carpeta donde están. Bueno, ahí está el enlace o también se está adjuntando el PDF ahorita. Ahí va. Merci beaucoup. Ouais. Vous avez mon adresse email, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez eu des problèmes avec les matériaux. A ver, parece que... Ça y est, a mí me parece que ya se cargó también en el chat el PDF. Oui, déjà. Voilà, bon, je vous remercie. Todo este mes continuamos con los talleres culturales, académicos y los clubs de conversación gratuitos para el público en general, para que pasen la voz. Cada viernes se manda por correo o se publica en Facebook la cartelera. Pues como ya lo hicieron, solo hay que registrarse, cierra el domingo y bueno, pues ya a cada profe le toca mandar sus enlaces. El CAM Mediateca ofrece también, aparte de estas actividades, asesorías personales para toda la comunidad UNAM, de cualquier parte de la República es gratuito, y para quienes no forman parte de la comunidad, es realmente una cuota de recuperación, son 285 al mes por un idioma o 400 pesos por dos idiomas, y ahí es una relación personal, ¿no? Y es para trabajar o apoyarlos con su proceso de aprendizaje. Si tienen interés en inscribirse, bueno, todo, cualquier duda, frances.mediateca@esmorelia es el correo que está en la cartelera, el contacto. Y, bon, a 5 horas, il y a l'autre atelier de chanson, donc j'espère que vous êtes également intéressé. Merci beaucoup. Tengo una pregunta, Giselle. Allez-y. Para registrar las asesorías o para agendar las asesorías, ¿hay que verlo directamente con cada profesor o en la página viene como la plataforma para apartar, digamos, el horario, etcétera? Sí. Alors, merci, Monse. Frances Mediateca es el intermediario para hacer la primera cita con el profesor que ustedes deseen trabajar. Ya una vez que se hace ese primer contacto, esa primera cita a través de la coordinación, ya tú como el profesor acuerdas qué horario y qué número de veces, qué días verse. Entonces ahí pues ya también cada profe pues es distinto, ¿no? Ustedes entran a diferentes y ya verán que cada uno somos distintos, pero sí debe pasar por la coordinación para un mejor control. Ok. Y hay inglés y francés, ¿verdad? Hay 14 idiomas, entonces... Ok. Sí. Bueno, un idioma puede ser cualquiera de estos 14 y ya si eligen 400, pueden elegir dos idiomas, los que ustedes deseen. Ok.
Merci beaucoup. De rien. Aunque seamos principiantes en la lengua, profesora. ¿Cómo? Aunque seamos principiantes, que no tengamos mucho. Sí. La mayoría, de hecho, son personas en nivel principiante. Evidentemente, pues hay que poner mucho más de su parte, ¿no? Porque no son cursos particulares, son tutorías donde nosotros les facilitamos los recursos, pero claro que les damos pues un programa, ¿no? Un eje a seguir con los recursos y ya a ti te toca hacerlos durante la semana y trabajar después con el profe para ver dudas y lo que sigue. Ajá. Profa. Sí. En ese caso también podría ser como para, o sea, también asesorías como por una preparación de un B2, una certificación de B2 en francés. Claro. Yo, bueno, por ponerles un ejemplo, ¿no? Les voy a hablar de las personas que atiendo. Con una de las estudiantes, fue el trabajo para prepararse para el examen de comprensión lectora de la ENALT, ¿no? Otra chica para prepararse su C1. Otra persona, pues simplemente general, para desarrollar las cuatro competencias en un nivel A1 a 2. Entonces, con cada quien, pues trabajamos pues, de acuerdo a lo que desee como cumplir, ¿no? O concretar. Y nos vemos una o dos veces por semana. Muchas gracias, profa. Uh-huh. D'accord. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Gilles. Merci. Au revoir. Au revoir.